coucou tout le monde, c'est Léa et Antoine pour Elle Supérette. Cette semaine, on vous montre comment transformer une chemise basique, banale, en petite robe de petite fille. En vrai, c'est en farfouillant sur les internets qu'on est tombé sur cette femme dont on retrouve plus le nom. On va pas beaucoup chercher. Aidez-nous à la retrouver. En vrai, c'est en fouillant sur les internets qu'on est tombé sur cette femme qui prenait des chemises d'hommes classiques pour les transformer en robes. On s'est dit, eh, mais ça doit être super facile à faire. Est-ce qu'on en ferait pas une vidéo, Léa? Et Léa m'a répondu. Bien sûr. Mais bien sûr. Et du coup, on est allé à Emmaüs acheter une chemise comme ça. C'était pas cher. 1,50€ la chemise. Tranquillement, et on en a fait une petite robe de petite fille. Et comme on est un petit peu bête, on n'a pas pensé à faire des images de la chemise avant la couture, mais on vous assure que la chemise, c'était une chemise banale, hein, avec un col de chemise banale et des manches de chemise banale. Aussi, dans la vidéo, on vous a pas montré, mais on a fait une petite ceinture pour venir la ceinturer. C'est en mode tout simple, on a coupé deux bandes dans les manches, on a fait deux petites pointes arrondies et emballé, c'était pesé. On fait des gros bisous à la petite Léna qui a posé pour nous dans la vidéo et qui était trop mignonne, elle nous a fait mourir de rire au début, elle avait trop peur de nous. En vrai, on a cru qu'on n'allait pas pouvoir tourner la vidéo avec elle. Et en fait, elle s'est détendue et après, c'était un feu d'artifice. Franchement, merci à toi, tu nous as fait trop rigoler. Si jamais vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, bienvenue sur Hello Superette. On est une chaîne de couture, si vous l'avez pas deviné. Et on sort une vidéo chaque semaine. Donc, on vous encourage à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous allez voir, c'est super simple. C'est vraiment accessible aux débutants en couture. Et si vous vous débrouillez bien, vous en aurez pour que dalle. Du coup, on vous laisse avec le tuto. Et du coup, pour réaliser cette petite robe trop mignonne, il vous faudra une chemise. Alors nous, on a acheté la nôtre chez Emmaüs, mais si vous en avez qui traînent dans les placards, on vous encourage à les utiliser. Une petite robe de fille qui va bien pour s'en servir de référence et environ 1m50 à 2m de biais. Alors on commence d'abord par découdre la poche. On pourrait la garner, mais comme la nôtre est maxi grande, elle va tomber au niveau de la ceinture et ça risque de nous gêner. Et ensuite, on vient découper le col. On découpe le col au ras du pied de col pour conserver un maximum de tissu. Une fois qu'on a fait ça, on pose notre chemise à plat et on vient poser notre robe dessus. Et on va venir découper notre chemise sur toute la longueur au niveau de la ceinture de notre robe de référence. Suivant vos goûts, vous pouvez choisir que la ceinture de votre robe soit plus haute ou plus basse à cette étape. Ensuite, on plie le haut de la chemise en deux, on fait correspondre les coutures d'épaule pour que ce soit nickel et on vient épingler pour être sûr que ça bouge pas. On plie aussi la petite robe qu'on va venir poser par-dessus. On fait bien correspondre les épaules et le milieu de la chemise avec les épaules et le milieu de la robe. On épingle le tout pour que ça ne bouge pas. Et on va venir découper autour de l'encolure, de la manchure et des côtés en suivant les contours de la robe à 1 cm. Ah, et si comme nous, il y a un petit pli creux à l'arrière de votre chemise, ce qui est souvent le cas sur les chemises des messieurs, on vous conseille de l'épingler et de faire un petit aller-retour sous la machine pour être sûr que ça ne vous prend pas la tête plus tard. On peut continuer l'assemblage et on vient coudre les côtés de notre chemise, endroit contre endroit, à 1 cm. Et comme on voulait un résultat un petit peu propre, on est venu surfiler le tout pour être sûr que ça s'effiloche pas. Allez, on s'attaque à la pose du biais et pour commencer, on vient découper un des replis de notre biais parce que c'est un petit vêtement, c'est un vêtement pour enfant, on voulait des finitions un petit peu fines, un petit peu délicates et du coup on va redécouper notre biais pour qu'il soit plus fin une fois cousu. Pour la pose du biais au niveau du col, c'est pas compliqué, on vient l'épingler sur l'endroit de la chemise en faisant juste un petit repli au début, on épingle tout autour en faisant bien attention de tirer légèrement sur le biais. On a dit tirer légèrement, on n'a pas dit arracher le biais. Donc en faisant bien attention de tirer légèrement sur le biais pour qu'il se positionne parfaitement quand on le repliera sur l'envers. Et une fois qu'on arrive à l'autre bout du col, pareil, on refait un petit repli, on découpe et on passe le tout à 1 cm sous la machine. Une fois qu'on a réalisé cette couture, on est venu redécouper les valeurs de couture à 5 mm et ensuite il suffit de rabattre le biais sur l'envers du tissu. On met quelques petites épingles et on vient coudre à 8 mm du bord du col. Et ça devrait être nickel. Vous faites exactement la même chose pour les emmanchures, en sachant qu'il faut commencer la pose du biais par la couture des aisselles, et c'est à cet endroit-là qu'il faut faire un petit repli. Et on passe à la jupe. Regardez, on a déjà le petit haut de notre robe et c'est déjà trop mignon. On passe à la jupe de notre petite robe avec le bas de la chemise. Et le principe, c'est tout simple, il faut créer des fronces sur le bas pour pouvoir l'assembler au haut de la robe.
Donc pour ça, on vient faire une couture toute droite sur le haut de notre jupe, avec le point droit le plus long que vous ayez à disposition, sans point d'arrêt au début et à la fin, et vous faites attention de ne pas faire des fronces sur les pattes de boutonnage. Une fois que vous avez fait cette couture, vous faites exactement la même couture à 2 mm de la première. On vient faire un petit nœud avec les deux fils du dessus d'un côté et avec les deux fils du dessous de l'autre. Bon, ça en vrai, il y en a qui le font pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je sais pas pourquoi on le fait d'ailleurs, mais on le fait parce qu'on l'a vu faire et qu'on ne veut pas faire autrement parce qu'on a peur ça fasse quelque chose de différent, tu vois, pas sûr. Et quand on n'est pas sûr, moi je préfère faire comme j'ai appris, ok? Ok, donc, et ensuite on vient tirer sur notre tissu pour créer des petites fronces, en faisant bien attention de ne pas casser notre fil du coup, de manière à ce que la longueur de notre haut de jupe fasse la même longueur que le bas de notre haut de robe. Je ne sais pas du tout si c'est clair. Et voilà, et on fait plein de petites fronces en partant d'un côté, puis ensuite de l'autre, comme ça. Et si, par exemple, comme nous là, vous en avez fait trop, votre jupe est plus courte que le bas de votre haut de robe, et bien vous retirez sur le tissu pour allonger la longueur et ensuite vous venez répartir uniformément toutes ces petites fronces sur le haut de votre jupe. Et une fois qu'on est good au niveau de la longueur, on vient épingler endroit contre endroit en faisant correspondre les bordures et on va venir assembler le tout à 1 cm. Messieurs, dames, vous le savez. Une fois qu'on a assemblé le haut avec la jupe, on vient surfiler le tout parce que notre tissu s'est filoché beaucoup. Et pour finir, on est venu faire un tout petit aller-retour sous la machine pour plaquer la valeur de couture au niveau des pattes de boutonnage pour que ça fasse encore un petit peu plus propre. Et mesdames et messieurs, la chemise elle est finie. Voilà, votre vieille chemise que vous avez retrouvée en boule au fond du placard, vous l'avez transformée en petite robe pour votre petite fille ou votre petite sœur ou votre petite nièce ou votre petite cousine ou votre petite voisine. On a compris, merci. La semaine dernière, on vous donnait 5 conseils pour prendre vos créations en photo. Si vous avez manqué la vidéo, vous pouvez cliquer ici pour la voir. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-nous des petits pouces bleus. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et sur Facebook. On vous fait des bisous, à bientôt. Comment tu as volé la vedette, quoi.